en direction de La Plagne pour le trail de la Cisse des Lacs. J'ai trop hâte, en plus il fait beau, j'espère qu'on aura le même temps demain. Et là, on arrive dans une forêt, c'est trop joli. C'est fini. C'était super, super dur la fin. Mais trop contente. Et en plus, mon chéri est venu me chercher avec l'Oxen. Donc c'était trop bien. Franchement, c'est vraiment une course à faire. Enfin, je suis pas trop revenue dessus avant, mais c'est une des courses les plus dures que j'ai faites. Il y avait le Trail du Mont Ventoux que j'ai fait en... c'était mars ou avril, je ne me rappelle plus. Où j'avais vraiment galéré dans les descentes parce que la descente était vraiment hyper technique. Et là, c'est le contraire. C'est la dernière montée de la Cisse des Lacs qui est vraiment mais super dure. Je pense qu'on se prend, mais je vais pas vous dire de bêtises. Je vais vérifier après, mais... on se prend, je vous le marquerai là, on se prend vraiment beaucoup de dénivelé en quelques kilomètres. Pour vous dire, j'ai fait les derniers kilomètres à moins de 4 km/h tellement c'était pentu. Et mentalement, c'était vraiment dur. Mais au moins, voilà, ça permet de sortir de ses limites, de ses habitudes, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je pense que dans tous les cas, ça fait progresser, au moins mentalement. J'étais vraiment super heureuse de la finir, cette course. Et vraiment, les paysages sont super sympas. L'ambiance, mais l'ambiance, je vous jure, elle est incroyable. J'ai déjà été encouragée, bien sûr, à la fin d'une course. Mais là, c'était vraiment... mais une ambiance digne du Tour de France. Quand on arrivait au premier endroit où on se faisait contrôler, il y avait mais tellement de monde qui était monté avec les cabines. Et du coup, il y avait beaucoup de monde qui était là pour nous encourager.
Ça donne un coup de boost, mais vous imaginez pas. Je me suis jamais sentie seule. J'étais toute seule dans la forêt quand je vous filme. Là, j'étais toute seule, mais quoi, même pas 10 minutes avant qu'il y ait d'autres personnes qui me rattrapent ou que j'en rattrape d'autres. Il y a toujours des personnes pour nous parler. J'ai croisé vraiment des gens super sympas. Si vous voulez vous inscrire sur un trail de ce type de profil, donc là c'était 27 km et 1600 de dénivelé positif, n'hésitez pas. La 6D Lac, c'est vraiment une course à faire. Et j'ai aussi entendu beaucoup de bien de la 6000D pour les personnes qui ont envie de se frotter encore plus dur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. Ce sera probablement pour mon triathlon dans 15 jours. Je vous souhaite une belle journée, soirée, enfin voilà. À très vite.